Chevaucha messire Gauvin quand il s'échappa de la tour où la commune l'avait assailli, qu'à la fin d'une matinée, il arriva près d'une redoute où poussait un gros chêne de bel ouvrage. Un écu pendait à ce chêne à côté d'une lance appuyée sur le tronc. Il s'en approche et voit sous les rameaux un petit palefroy de robe noire. Il s'en étonna, car il n'est pas habituel de voir ensemble des armes et un cheval de dame. Si c'eût été un destrier, il eût pensé qu'un chevalier errant par le pays pour acquérir honneur et prix eût installé cette bastille, mais il voit que, dessous le chêne, était assise une jeune femme, qui aurait été belle si elle eût été heureuse, mais elle s'arrachait les cheveux. Ses doigts fourrageaient dans ses tresses et elle pleurait dans son malheur. Elle pleurait pour un chevalier qu'elle baisait éperdument sur les yeux, le front et la bouche. Gauvin arrive. Il voit le chevalier blessé dont le visage est entaillé et porte une large plaie comme un coup d'épée à la tête et, de deux endroits sur les flancs, coulaient des ruisselets de sang. Le chevalier s'était pâmé de la douleur de ses blessures, mais il reposait pour l'instant. Messire Gauvin ne savait pas, à première vue, s'il était mort ou vif. Il demande à la demoiselle « Que pensez-vous de ce chevalier que vous tenez ?» Elle répond « Vous pouvez voir que ses blessures sont cruelles. Car la moindre pourrait le tuer !» Gauvin lui dit « Ma belle amie, éveillez-le-moi, s'il vous plaît. Je veux lui demander des nouvelles de la contrée. »« Sire, plutôt que l'éveiller, je me laisserai écorcher vive !»« Jamais homme ne me fut si cher, et le sera tant que je vivrai. »« Je serai folle et méprisable quand je le vois se reposer. » Si je ne faisais rien dont il pût se plaindre de moi. Ma foi donc, je l'éveillerai, dit Monseigneur Gauvin, j'y tiens. Alors, il frappe le talon de sa lance contre son éperon, et le chevalier s'éveille sans colère, car l'éperon tinta si doucement qu'il n'en reçut aucun mal, bien au contraire, car il remercia et dit « Je vous donne 500 merci pour m'avoir éveillé si doucement. » Que j'en ai pas souffert. Mais pour vous-même, je vous prie de ne pas aller plus avant. Ce serait faire une folie. Retournez, si vous m'en croyez. Et pourquoi m'en retournerai-je ? Par ma foi, je vous le dirai si vous voulez bien m'écouter. Aucun chevalier n'en revient. Qu'il aille par champ ou par voie, c'est la frontière de Galvois que personne ne peut passer avec l'espoir d'en retourner. Nul n'en est encore revenu, excepté moi, mais si blessé que je n'y survivrai pas jusqu'à la nuit. J'y rencontrai un chevalier preux et hardi. Et fort et fier. Je n'en vis jamais de plus vaillant, ni n'en combattis de plus terrible. Mieux vaudrait vous éloigner que dépasser ce fortin. Le retour en est trop douloureux. Ma foi, dit Messire Gauvin, je ne viens pas pour m'en aller. On pourrait me le reprocher comme trop plate lâcheté. On n'entre pas dans une voie si l'on n'y va pas jusqu'au bout. J'irai tant que je sache, et vois pourquoi l'on en peut revenir. Je vois bien que vous le ferez, dit le blessé. Vous irez
parce que vous voulez accroître votre renommée et votre valeur. Mais si vous n'en êtes pas gêné, je voudrais vous prier de revenir jusqu'ici pour le cas où Dieu vous ferait cet honneur que nul n'obtint encore et que je ne pense pas que nul puisse obtenir pour aucune raison. Vous verrez en votre pitié si je serai mort ou vivant et s'il m'en sera mieux ou pire. Si je suis mort par charité et pour la Sainte Trinité, je vous prie que vous preniez soin de cette jeune femme qui m'accompagne, qu'elle n'ait ni honte ni mésaise. Et pour que vous l'ayez agré, sachez que Dieu ne fit et ne veut faire femme plus franche et débonnaire, plus courtoise et mieux élevée. Or, je la vois épouvantée à cause de moi, et elle n'a pas tort de craindre ma mort prochaine. Messire Gauvin lui promet, s'il ne survient nul empêchement, ou prison, ou autre embarras, qu'il s'en reviendra par le même chemin et donnera à la pucelle le meilleur conseil qu'il pourra. Il les laisse ainsi, et ils chevauchent longuement par plaine et bois. Si bien qu'il vit un fort château que, d'une part, baignait un port plein de navires et qui semblait presque aussi noble et riche que pavillé. D'autre part, étaient les vignobles et de grandes belles forêts, magnifiques et bien assises, avec le grand fleuve dessous qui baignait tout le tour des murs et portait ses eaux dans la mer. Ainsi, le château et le bourg étaient entièrement fermés. Monseigneur Gauvin est entré par le pont du château et, quand il fut sur le coteau, au plus élevé de l'esplanade, il voit sous un orme, en un pré, une demoiselle Solette qui, plus blanche que neige fraîche, mirait sa figure dans l'eau. D'un diadème bordé d'or froid, elle faisait une couronne. Messire Gauvin éperonne vers cette belle à grande allure, mais elle lui crie « Doucement, doucement, sire, et posément, car votre course est plutôt folle. Il ne faut pas tant vouater et galoper et tout gâter. Bien folle et qui pour rien s'emploie. » « Que le Seigneur Dieu vous bénisse, » dit Messire Gauvin. « Or dites-moi, ma belle amie, ce que vous pensiez en criant « doucement », sans savoir pourquoi. » « Si fait, chevalier, par ma foi. » Je sais bien ce que vous vouliez. Et quoi fait-il? C'était de me prendre et m'emporter dans la campagne sur le col de votre cheval. Vous avez dit vrai, demoiselle. Je le savais, répondit-elle. Mais maudit soit qui y pensa. Garde-toi d'espérer jamais que sur ton cheval tu m'emmènes. Je ne suis pas la fille vaine dont certains chevaliers s'amusent, les emportant sur l'encolure quand ils vont en chevalerie. Tu ne m'y emporteras pas. Et cependant, si tu l'oses... Peut-être m'emmèneras-tu, si tu voulais prendre la peine d'aller chercher et m'amener mon palefroid qui est dans ce jardin. Je te suivrai, jusqu'à ce qu'il t'advienne en ma compagnie une bien cruelle aventure de deuil, de honte et de déchéance. Belle dame, y faudra-t-il plus que du courage ? Lui demanda-t-il. Non, vassal, je ne le crois pas. Et demoiselle, mon cheval ? Qui le gardera si j'y vais? Car il ne pourra pas traverser l'eau en passant par cette planchette. C'est vrai, chevalier. Donnez-le-moi. Allez à pied. Je garderai votre cheval tant que je le pourrai tenir. Mais hâtez-vous de revenir, car je serais bien empêtré s'il ne se tenait pas en paix ou si on l'enlevait par force avant que vous ne reveniez. Vous avez raison, lui dit-il. Si on vous le prend, soyez en quitte. Et s'il vous échappe, aussi bien. Je ne vous en dirai jamais rien. » Il lui donne son cheval en garde et il s'en va. Il emporte avec lui ses armes, au cas où quelqu'un au verger l'empêcherait d'emmener le palefroid sans dispute et sans bataille. Voici donc, la planche passée,
qu'il trouve une foule amassée de gens qui le regardent anxieusement et disent « Que 100 000 diables te brûlent, fille qui fait tant de malheur !»« Que ton corps est la malaventure, toi qui n'es pas nul chevalier !»« Tu as fait trancher tant de têtes d'honnêtes gens que c'est grand deuil !»« Et toi, chevalier, qui veux emmener le cheval de la demoiselle ?» Tu ne connais pas les souffrances qui te viendront si tu le touches de la main ? Chevalier, pourquoi t'approcher ? Vraiment, tu n'avancerais pas si tu savais quels outrages, quels maux, quelles souffrances te sont promises si tu l'emmènes ! Ainsi lui parlent tous et toutes pour l'effrayer et qu'il n'allât au cheval et s'en retourna. Il les entend et comprend bien, mais ne veut pas abandonner. Il avance et salue les gens, et toutes et tous lui répondent bien tristement, si bien qu'il semble qu'ils ressentent pour lui ensemble grande angoisse et grande détresse. Et Messire Gauvin s'approche du palefroid et tend la main. Il veut le prendre par le frein, car ni frein ni selle n'y manque. Un grand chevalier se tenait sous un olivier verdoyant, et lui adresse la parole. Chevalier, c'est par vanité que tu viens à ce palefroid. D'y tendre et le toucher du doigt, il ne t'en viendra que l'orgueil. Pourtant, je n'ai pas l'intention d'y contredire, ni de t'empêcher de le prendre si tu en as si grand désir. Mais je te presse de partir pour que le dommage ne t'en vienne d'ailleurs. Pourtant, je ne le laisserai pas. Dit Monseigneur Gauvin, beau sire. Car la pucelle qui se mire sous l'orme là-bas m'y envoie. Si je ne le prenais pas, que serais-je ici venu faire ? J'en serais humilié sur terre comme vaincu, lâche et failli. C'est de quoi te viendra malheur, dit le grand chevalier, beau frère. Car par Dieu, le souverain père à qui je veux rendre mon âme, aucun chevalier jamais fit ce que tu veux, toi, faire ici, à qui n'en arriva malheur, car il eut la tête tranchée. Et c'est le destin qui t'attend. Si je te mets ainsi en garde, je ne veux en rien te fâcher. Si tu y tiens, prends le cheval, rien n'en sera changé pour moi, ni pour la honte qui te guette si tu l'emmènes. Je ne puis t'approuver d'aller là où tu en perdras la tête. Ces paroles ne font pas céder Messire Gauvin. Il fait, devant lui, passer la planche au palefroid, dont la tête était d'un côté noire, de l'autre blanche. Il passa la planche comme l'ayant déjà passée, très bien et très adroitement. Puis, Messire Gauvin le prit par ses rênes faites de soie et vint droitement jusqu'à l'orme où la pucelle se mirait. Elle avait quitté son manteau ainsi que son voile de tête pour admirer plus librement son visage et sa silhouette. Messire Gauvin lui amène le palefroid avec sa selle et lui dit « Venez ça, pucelle, pour que je vous aide à monter. » « Ne te permets pas de compter, lui dit-elle, par Dieu, à la cour où tu vas, que tu m'aies eu entre tes bras. » Si tu avais jamais touché, senti, palpé de ta main nue quoi que ce soit qui fût sur moi, je m'en croirais déshonoré. J'aurais trop de honte s'il était cru et raconté que tu eusses touché mon corps. J'aimerais mieux qu'on me tranchât à cet endroit le cuir et la chair jusqu'à l'os, et je le dis. Tôt laissez-moi ce palefroid. Je le monterai toute seule, ne te demande de m'aider. Que Dieu me donne en ce jour de te voir bien honteux comme je souhaite avant la nuit. Promène-moi où tu voudras, mais ni mon corps ni mes habits ne toucheras-tu de plus près. Je te serai toujours après, jusqu'à ce que de moi t'advienne quelque dure déconvenue, très honteuse et très douloureuse. Je suis bien sûr, et tu n'y échapperas pas, de te faire maltraiter à mort. Messire Gauvin écoute ce que lui dit l'orgueilleuse demoiselle et ne lui répond rien, mais il lui donne son palefroid et elle lui laisse son cheval. Monseigneur Gauvin se courbe pour ramasser son manteau par terre et le lui donner, mais la demoiselle le toise, violemment agressive et l'outrage honteusement.
Vassal, lui dit-elle, que t'importe mon manteau et ma guimpe? Pardieu! De moitié, je ne suis pas si sotte que tu le crois. Je ne désire pas ton service. Tes mains ne sont pas assez propres pour tenir mon manteau, ni mon voile de tête. Qui te pousse à palper ces lignes qui touchent à mon corps, à ma bouche, à ma tête ou à mes cheveux? Que Dieu me garde d'avoir un jour besoin de tes services. La pucelle s'est mise à cheval, a pris son voile et s'est vêtue de son manteau. Puis elle dit « Chevalier, allez où vous voulez. Je vous suivrai par tout chemin afin de goûter votre honte dès aujourd'hui s'il plaît à Dieu. » Et messire Gauvin se tait et ne répond pas un seul mot. Tout penaud, ils montent. Ils s'en vont. Il reprend tout pensif la route vers le chêne où il a laissé la pucelle et le chevalier dont les plaies auraient eu besoin d'un médecin.